Bonjour Marina et bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà Marina, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée. Je la connais, je la suis, je vous suis. Et donc nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu vas travailler en commençant par la santé. Par la santé, on t'écoute. OK. Ce qui me dérange le plus depuis que je suis dans cet appartement, malgré tout, c'est que je n'ai plus d'énergie. Avant, je faisais l'aquabike, enfin avant le Covid, hein. De l'aquabike, du vélo, de la marche 2 ou 3 fois par semaine, 2 ou 3 heures. Et là, en fait, depuis que j'ai ce petit jardin, ce petit appartement rez-de-chaussée avec des fleurs, les bambous, je me retrouve souvent ici sur le divan, en train de regarder la nature, mon petit chat, les bambous qui bougent avec le vent, les fleurs, et je ne bouge plus. Je n'arrive plus à avoir la démarche, le niaque pour aller marcher ou pour aller faire autre chose. Même si j'arrive à bricoler un peu mon appart, parce que c'est moi qui le refais, là en ce moment, je n'ai pas d'énergie. D'accord, Et bon, on verra ça, ça. ce n'est pas moi. D'accord, ok. Autre point. Autre point, depuis quelque temps, j'ai des petites pointes, une petite alerte au foie. Alors, il faut dire qu'on m'a enlevé la vésicule biliaire suite à ces blocages dont je te parlerai après. En fait, je n'ai pas pu récupérer l'appart. Et 6 jours après, je faisais une péritonite par la vésicule biliaire. J'ai dû partir en camping parce que la nana ne me rendait pas l'appart. Moi, j'avais quitté le mien. Enfin, voilà. Donc, le foie. Des fois me titille, même si je me soigne. Les articulations, ça, c'est le plus gros truc. J'ai mal, trop, trop mal au poignet et à la base du pouce, le dos. Voilà. Donc, poignet, base du pouce Ouais. J'avais eu des hernies discales, mais j'ai plus de et le problème. dos. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, tu as une péritonite à la vésicule biliaire, c'est ça? Oui. Tu te l'es fait enlever la vésicule? Hélas, oui. Je n'ai pas eu le choix, en fait. Je suis partie D'accord. aux urgences obligatoirement, là. Le D'accord. médecin m'a dit là, il n'y a pas le choix. D'accord. Ok. Ensuite, autre question. Je fais beaucoup de rétention d'eau, même avant d'être en surpoids. Là, je suis en surpoids depuis que j'ai quitté mon mari. En fait, j'ai eu un comportement alimentaire déviant, hein. Je mangeais plus que la normale, ça devait me calmer ou m'apaiser. Je devais le quitter. J'étais en plein dans les cours, 2 ans, des examens, plus le fait que ça n'allait pas du tout. Donc voilà, il fallait que je parte, j'avais pas un rond. Donc c'était chaud. J'ai eu une période un peu chaude. D'accord. Ensuite. Et le surpoids me gêne énormément, même si je m'aime plus qu'avant. qu'avant, quand j'étais mince, mais le surpoids est gênant. Ben oui. Ensuite. Après, peut-être pas d'autre chose, hein, mais bon. Et voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Après, tu as des questions autres que santé? Juste un point, j'ai eu des problèmes cardiaques. Comme une grande, comme je commençais à être élève naturopathe, je me suis soignée avec l'alimentation. D'accord. Et 9, 10 ans après, j'ai vu un autre docteur. Je lui ai parlé de mon inquiétude malgré tout, même si je ne vais jamais chez le docteur. Et il m'a dit que tout était bien. Donc, je D'accord. lui fais confiance. Je n'ai pas fait d'examen. Voilà. Ah, donc tu n'as plus de problème cardiaque normalement alors. Je n'ai plus d'arythmie, je n'ai plus de tachycardie. Voilà. D'accord. Je me OK. suis mis au cru, aux fruits. Voilà. Bien, alors donc après les questions hors santé, ta première. Alors, une des plus grosses questions qui m'embête maintenant, là, enfin qui me pose problème, c'est que pour moi, Pau est une trop grande ville. Et j'aime la campagne, j'ai vécu à la campagne et j'aime la campagne. Et là, je veux vendre cet appartement et je me demande si où j'achète un petit truc, mais voilà, dans les prix de l'appart, où je construis, et là mes enfants me disent, waouh, construire maintenant, maman. Donc je suis indécise.
Mais ce qui, là où je ne suis pas indécise, c'est que je veux partir. Même si mes enfants trouvent ça fou. C'est ta vie à toi, hein ? Ok. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, on ne te dira pas s'il faut acheter ou construire. Par contre, oui, une fois nettoyé, tu sauras. Voilà. Ta deuxième question ? Eh ben, je ne sais même pas si j'en ai d'autres. Hein. Ça, vous allez m'y répondre, si je suis parasité ou pas. Hein. Oui, c'est le travail. Donc, voilà. Eh bien, on va passer aux invitations. Alors, oui, juste au niveau fric, j'ai beaucoup de blocs. Ah oui, pardon. Le truc le plus important, je l'ai passé, pourtant, c'était sous en premier. J'ai des blocages, tout le temps des blocages. Quand j'ai eu cet appart, la nana ne veut pas me rendre l'appart. Je suis obligée de partir en camping. Au camping, j'avais mon ordinateur sous garantie et le suspicion de condensation, ils n'ont rien pris en compte, je l'ai perdu. J'ai perdu mon permis de conduire, le code, mes points, donc j'ai dû repasser mon code, tout ça en même temps. Pour m'arrondir les fins de mois, je me dis j'ai un box, je vais le louer. Je tombe sur un mec qui ne m'a pas payé. J'ai été obligée d'attendre un an et un jour. J'ai fait appel à un médiateur et tout ça. Donc, voilà, je ne me dis pas victime, je n'ai pas du bol. Je dis j'ai des blocages. Aujourd'hui, mon fils m'appelle hier. Il me dit, maman, tu peux nous garder le petit. C'est à 45 minutes d'ici. J'y vais ce matin. Je vais pour sortir. La clé coincée, ni à gauche, ni à droite, ni en tirant. J'ai dû sortir par le jardin. Heureusement que je suis au rez-de-chaussée. Que, en plus, pour revenir, j'ai pas pu la même chose sur la clé du jardin. J'en reviens pas. Je me dis, alors là, s'il n'y a pas des blocages, je ne comprends pas. Il se passe des choses. Oui, ça va être croustillant. Voilà. Très bien. Donc, la clé coincée, c'est la clé sur la porte de ta maison, c'est ça ? Alors, la clé de ma maison et le portail qui n'est que deux de mon appart. Le jardin. D'accord. Et le jardin qui n'a que dedans, on m'a obligé à mettre un petit portail. Voilà. Et au niveau boulot, les gens sont toujours contents. On reste souvent amis d'ailleurs. Mais j'en vis pas, quoi. J'ai trois personnes et pendant trois mois, j'ai plus rien. Donc là, tu es encore en activité alors ? Oui. Ok. Mais j'ai lâché dans la tête en me disant que j'allais arrêter. Et comme un peu exprès, je dis je vais arrêter et on m'appelle. Bon, voilà, je comprends rien. En attendant, j'en dis pas. Et si je fais deux séances par mois ou trois, c'est bon. Voilà. Bon, ok. Bon, eh bien, on va regarder tout ça. On va passer aux invitations alors. Donc, on va inviter tes trois enfants, je suppose. Oui. Hein ? Donc, les trois enfants. Alors, petites... trois enfants et leur famille, on va dire, comme ça, tout le monde est inclus. Hein, voilà. Et pareil, mes sœurs et mon frère, on est six en tout. Donc, sœurs et frères et leur famille. Voilà. Ensuite, tes parents. Non, ils sont décédés, tous les deux. Les deux. D'accord. Donc, on dit famille en général. Oui. Voilà. Après... Le reste est en Espagne. Ici, on est toutes seules. D'accord. Le père des enfants, tu veux l'inviter ? Le dernier, oui. Le père du dernier, oui. L'autre, non. D'accord. T'es sûr ? Parce que ça peut aider à pacifier des choses. Hein. Après, il est libre de faire ou pas le travail. Hein. Oui, j'ai eu toujours un gros problème d'attouchement. Alors, pas pour moi, moi c'était exhibitionniste dans mon enfance, mais ma fille a été touchée par ce premier mari quand elle avait 14 ans. Mon fils a été touché par un docteur, tripoté, il a été parti au tribunal, pas grâce à moi, mais il faisait ça à d'autres. Il y a plein de trucs comme ça, donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler en constellation familiale et tout ça, pour couper le lien, puisque j'étais grand-mère de deux petites filles, je ne voulais pas que ça leur arrive, voilà. D'accord. Alors, on l'invite ou pas le premier ? Allez, si ça peut aider, on va le faire. Donc, c'est le père du premier enfant, c'est ça ? De mes deux aînés, oui. De mes deux aînés. Des deux aînés, ok. L'autre, ensuite, combien ? Comment ?
L'autre, on s'entend bien, on est amis, on fait les Noëls ensemble, voilà. D'accord, ok. Ensuite, tu as des amis que tu veux inviter, sans les nommer, bien sûr, donne pas les noms. Hein. Oui, j'en ai deux ou trois, oui. Tes amis de cœur, hein? Oui. Voilà. Des relations, des collègues? Non, j'en ai pas. Non. Des animaux? Mon petit chat d'amour. Voilà, ton petit chat, et puis on dit des animaux. Yaya. Les animaux que tout le monde, s'il y en a, hein? Oui. Alors, pour les deux désincarnés, tu choisis qui? Alors, si c'est le cœur, ça va être mon grand-père maternel et mon grand-père paternel, que j'ai très peu connu, mais que je sentais très gentil. Pater, ok. Bon, très bien. Et juste une problématique, juste pour ajouter, c'est vrai que j'ai un regard sur les hommes très négatif. J'ai dit que j'étais complotiste et que je suis Carl Zéro et d'autres, et que ça m'a toujours touchée, tout ça. Et je sais ce qui se passe et je suis plutôt ouverte à tout ce qui se passe. Et voilà. Et donc, voir si ça vient, voilà, vous me le direz, si ça vient d'une programmation ou d'un parasitage. D'accord. Donc, tu as un problème avec les hommes, alors, du coup. Je ne sais pas si j'ai peur, mais en tout cas... Non, tu as un problème avec les hommes. Peut-être. Oui, ça ne me manque pas, donc je ne vois pas, j'ai vraiment plus envie. Mais je ne sais pas si j'ai un problème. Mais tu as un regard négatif sur les hommes, c'est ce que tu as dit. Très. Voilà. Oui. Hein, voilà. Okay. Bon, ben écoute, je te laisse couper le son, et on part pour ton aventure, et on va aller voir. Alors, tout ça. Le son, tu m'as dit qu'il... À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 42 000, tu te sens hors de portée en sécurité? Oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Marina. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, j'ai une énergie qui est incurvée, qui traverse son troisième œil, son front comme ça. Ça vient d'en haut, d'au-dessus. Ça la transperce, ça la bloque. C'est comme si elle était comme bloquée dans une sorte d'hameçon, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ce n'est pas une hameçon, mais c'est juste pour donner l'idée que cette énergie l'a comme attrapée à ce niveau-là, et surtout au niveau du troisième œil, puisque je vois que les événements, c'est comme si les situations dans sa physicalité, dans sa 3D, étaient galvaudées. Transformé ou d'accord. S'il y avait un décalage de réalité et que l'énergie qui part d'en haut, alors c'est vraiment incurvé, ça part dans un sens comme ça, puis ça ressort. En fait, c'est une énergie qui est en mouvement comme ça, perpétuel. D'accord. Ça traverse également son coronal aussi, ce qui lui donne une sensation d'être, j'ai le terme piégé, de se sentir piégé. Mmh. Ensuite, j'ai une énergie qui la transperce. Alors ça, ce sont les conséquences de cette même machine, si je peux dire ça comme ça. Ça la transperce au niveau du plexus. Au niveau du plexus, comme une épée tranchante, on va dire. Elle est comme bloquée dans tout ce qu'elle veut entreprendre. Voilà. Alors parfois j'ai des sensations au niveau de sa physicalité, comme des ralentissements de la circulation sanguine notamment, mais aussi lymphatique parfois. Le métabolisme est au ralenti en fait, dû à cette épée qui la traverse. Mmh. J'ai un décalage, donc ça c'est une conséquence aussi, de son côté gauche. C'est comme si sa jambe, son genou gauche était beaucoup plus lourd
que celui du droit. C'est-à-dire que je le sens beaucoup plus lourd, plus pesant. La jambe et le genou. Ouais, surtout ça. La cuisse, en fait. L'eau de la cuisse et le genou. Voilà, ouais, jusqu'à la cheville. Donc, je regarde, c'est un dispositif. Alors, j'ai sur les devants des chevilles, il y a comme deux petits implants pour maintenir artificiellement l'ancrage. Mmh. Maintien artificiel, oui. Ok. Et c'est les causes, quel problème ça? Des blocages, puisqu'elle ne peut pas elle peut pas avancer dans la direction dans laquelle elle voudrait. Oui, c'est ça. C'est surtout une question de direction, en fait. C'est ça qui l'empêche de. Mmh. Et à venir, alors c'est. Donc, dans cette machine dans laquelle elle se trouve, donc il y a cette énergie en haut, comme ça, qui la transperce. Et puis, c'est comme si dans l'espace-temps dans lequel nous sommes, je voyais arriver une autre épée qui allait la transpercer, mais au niveau. Et elle n'est pas encore là, tu vois, je vois juste l'énergie qui est en train d'arriver, en fait, on va dire ça comme ça, au niveau du sacré. Mais c'est un objectif suivant, en tout cas. D'accord. OK. Mais on sent, par exemple, je sens la physicalité qui est crispée. Et une crispation et une angoisse aussi en arrière-plan. Il y a le corps émotionnel qui est bien bousculé, en tout cas. Ouais, et la crispation. J'ai crispation et angoisse, en fait. Par rapport à ces énergies-là, en fait, qui arrivent sur elle. Mmh. Alors, je ressens quelque chose au niveau du chakra racine, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il a exactement. Si c'est à l'intérieur. Alors, regarde, je compte à 3 et tu vas le voir. 1, 2, 3. Tu vois à l'intérieur. Ok. C'est surtout au niveau du vagin, je dirais, il y a quelque chose. Comme si on y avait déposé, je ne sais pas si c'est des petits vers ou quelque chose comme ça, énergétique, des parasites, je ne sais pas si c'est ça exactement. Ça y ressemble, mais ce n'est pas la même fréquence que ce que j'ai l'habitude de voir. Alors, regarde exactement de quoi il s'agit alors. C'est technologique ou oui, c'est des. C'est technologique, c'est spécifique à. Des expériences, je ne sais pas. Regarde à quoi. Pourquoi ça a été posé là et qu'est-ce que ça cause comme problème? Alors, pourquoi j'ai eu le terme fécondation qui m'est venu. C'est assez bizarre, mais j'ai eu ce terme-là. Et le problème, c'est des fécondations d'œufs. Fécondation de quoi? J'en ai deux, des œufs. J'en ai deux, trois, en fait, comme ça. Oh. C'est ce genre de. Des œufs? Comment? Ils sont là, les œufs, tu les vois? Oui, enfin, j'ai vu deux, trois, ouais, qui sont apparus. Ok, on verra tout à l'heure de qui c'est. Oh. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, nanotechnologie derrière. Oui, et puis c'est très, comment dire, ça peut provoquer des douleurs, je ne sais pas. C'est très froid comme sensation aussi. J'ai une sensation de froid à l'intérieur. Et l'objectif, non, c'est ça que tu m'as demandé. L'objectif. Je ne sais plus, tu m'as demandé quelque chose, je ne me rappelle plus. Oui, pourquoi ils les ont les conséquences. Voilà. Ah, quelles sont les conséquences? Les conséquences, il y a un arrêt total de la sexualité. Il y a quelque chose qui est plus de ressenti, plus de plaisir à ce niveau-là. Il est trop, comment dire, cet endroit-là est trop rempli. Voilà. D'accord. La place est prise, quoi, c'est ça? C'est ça, exactement, cette sensation-là. Ça donne, alors, ça me donne des sensations, la conséquence aussi, ça remonte au niveau, je dirais, intestin, comme des petites angoisses, du stress. Non, ce n'est pas les angoisses, c'est du stress. Voilà. C'est comme s'il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui ne devrait pas être là. C'est hyper dérangeant, en fait. Oui, et qu'est-ce que c'est qui ne devrait pas être là? Ben, c'est ce qui se passe là dans le vagin, en fait. D'accord, ok, c'est vers technologique. En fait, ce n'est pas des vers, c'est des œufs. C'est des œufs, oui. C'est pour ça que je trouvais que ce n'était pas d'accord. La même fréquence que ce que j'ai l'habitude de voir. C'est deux, trois œufs.
Ok, alors. Oh, j'ai eu le terme détruit parce que je suis remontée en fait au-dessus du vagin à l'intérieur, alors au niveau des organes. J'ai eu le terme détruit, ce qui m'a amené à ce qu'elle a parlé, Marina, en début de séance, au niveau de sa vésicule en remontant. Oui. C'est aussi une des conséquences en fait de ce stress et de ce qui se passe là qui ne devrait pas être là. D'accord. Dans le vagin. Donc les vésicules, c'est pas les organes. On parle. Toi, je crois que tu parles des organes génitaux matriciels. Oui, moi, ah oui, non, mais en remontant, c'est en remontant dans la physicalité. Hein. Je suis remontée okay. jusqu'au donc, vésicule. Entre les. Oui. C'est la raison pour laquelle il y a quand même la vésicule. Entre le système matriciel et les sensations de stress que j'avais au niveau de l'intestin, en fait. Donc, je suis remontée en détail, je suis allée voir ce qui est... Et donc, c'est parce que j'ai eu le terme destruction, c'est pour ça que je suis allée voir de plus près. Okay. C'est, comme si on avait, c'est comme si on avait cisaillé des connexions, des tuyaux, je ne sais pas. Ok. Ce qui me vient. Ok, alors maintenant je reprends un peu de distance. J'ai eu une... Comment on appelle ça? J'ai eu une vision là sur les poumons. Alors, je crois que c'est intercostal, exactement le terme. C'est oui. en dessous des poumons, c'est ça, intercostal. Oui, intercostal, oui. C'est l'élémental qui a du mal en fait à se positionner. Enfin, comment expliquer ça? Oui, il a du mal et compense en fait énormément. Et donc, au niveau intercostal, ça peut donner des douleurs. Des difficultés respiratoires, juste ce terme-là, c'est qui vient. D'accord. Voilà. Et j'ai une mauvaise circulation. Enfin, c'est ce qui me vient en remontant au niveau des bras, sur les côtés des bras, là. Et plus le côté gauche, puisque c'est déjà le côté gauche qui est en décalage, je dirais. Je disais précédemment par rapport à la jambe. Que plus le gauche. Voilà, ouais, là c'est bon, j'ai fait le tour. Il y a un système GPS quelque part? Alors le GPS, c'est cette énergie-là qui est en mouvement, qui l'a attrapé en fait, entre le troisième œil et le coronal. Mmh. C'est comme un système de filet, tu sais, énergétique, ouais. D'hameçon. Ok. Bien. Voilà. On va regarder qui est derrière tout ça alors. Oui. Alors, j'avais aperçu des mantes déjà tout à l'heure, surtout pour cette énergie-là de GPS, on va l'appeler comme ça, de filet. Et il y en a deux qui sont aux commandes à ce niveau-là. Et il y en a trois autres, en, on va dire, en collaboration ou hiérarchie. En disant que c'est plus collaboration. Mais c'est les autres qui envoient les objectifs de ces épées. Les deux premières, elles s'occupent que de l'hameçon, en fait. C'est toutes des mantes. Oui, et ouais, je vois que ça. Même les mains qui déposent, qui s'occupent des œufs aussi, ce sont des insectoïdes, ouais, type menthe, okay. C'est ça. Et ce sont des œufs de menthe, bien sûr. Ah oui. C'est quoi leur objectif, alors? Alors, j'ai eu le terme génétique qui m'est venu. La transformation génétique des gènes. De l'ADN. Alors, l'hameçon, ça permet effectivement de l'attraper, de la bloquer dans les corps subtils, de la perspective d'où elles sont, elles. C'est plus facile. Et l'objectif premier, ouais, c'est génétique, ça me revient ce mot. Oui, elles font des expériences génétiques. Et en vue de quoi? C'est quoi leur vécu? Alors, transformation, mutation de leur propre physicalité. C'est-à-dire qu'il y a des génomes, c'est le terme qui me vient, dans l'être humain, des génomes. On n'est pas sur la physicalité 3D, hein. On est sur quelque chose sur un plan plus subtil. Il y a des génomes qui, j'ai même le détail, hein, chimique, génomes qu'elles veulent arriver à modifier, en fait. Mais pour elles, ce n'est pas modifié sur l'être humain. D'où l'implantation des œufs, parce qu'elles font des expériences et ensuite. Elle les dépose en voilà, une sorte de couveuse, enfin j'ai ce terme-là. Mmh.
Ouais, elles profitent de sa matrice pour faire croître leurs expériences, leur progéniture. Au plus proche, en tout cas, de l'être humain, oui. Ouais, d'accord. Ok. Bien. Donc, tout ça, c'est pour adapter leur physicalité pour venir sur le plan 3D, c'est ça? Ou il y a d'autres objectifs? Oui. Amélioration, mutation, oui. Et amélioration, oui, c'est ça. Elles ont déjà réussi? Non, je vois qu'elles en sont au stade, en tout cas, au niveau de l'énergie adamantine. Mais tout ce qui est encore génétique, et etc., génome, non, c'est pas concluant. C'est pas au point. D'accord. Non. On va regarder depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elles la toute première fois. 1, 2, 3. Oui, ça fait 5 vies. 5 vies, ok. Alors, on va regarder comment elles s'y sont prises pour la première vie, la toute première. J'observe une petite fille de 5 ans qui est en Occident, mais dans un environnement de pauvreté extrême. Elle a froid, elle a faim, elle est sale sur elle. Et elle est, j'ai le terme abandonnée qui me vient. Elle est abandonnée donc par ses géniteurs. Parce qu'ils sont pauvres, de toute façon, ils ne peuvent plus s'en occuper. On est quelque chose entre le sud de la Russie, la Prusse, ça s'appelait, je ne sais pas, c'est ce terme-là qui s'active. La Prusse, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, ouais, bah, c'est entre la Russie et l'Allemagne. Hein. Enfin, c'est ce que je situe, le sud de la Russie, je ne sais pas trop. Mmh. Par là. Mmh. Ça, c'est dur comme vie. Ce moment-là. Et elle est mal, enfin, c'est pas qu'elle est malmenée, mais elle est abandonnée par ses géniteurs. Et ensuite, c'est comme si elle se retrouvait dans différents foyers, mais de diverses manières. C'est-à-dire qu'elle va être, comment dire, domestique, elle va être aussi violentée, elle va aussi être violée, il va y avoir. Elle va toujours être celle qui doit faire le ménage, des choses comme ça. C'est. Ok. C'est comment dire, il n'y a pas de perspective d'avenir quand elle grandit en tout cas. Mmh. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'elle devient alors dans cette existence? Là, je la vois jeune fille en train d'étendre des draps. Donc, elle est toujours dans une sorte de famille où elle est domestique. Je peux pas, je veux dire ça comme ça. Mmh. Famille d'eux qui sont un peu plus riches, qui ont un peu plus d'argent. Alors, elle mord à quel âge là? J'ai le terme 28 ans qui me vient. De quelle manière? Il y a une sorte de poison qu'elle prend, comme de l'arsenic. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui la rend toute bleue, qui l'étouffe aussi. Mmh. Ça lui coupe sa respiration, ça l'étouffe, elle devient toute bleue. Donc c'est comme une sorte de suicide en fait. Mmh. Parce que bon, bah, elle n'a pas de perspective d'avenir, il y a une grande dépression. D'accord. Et donc, l'aimante, quel rôle elle joue là, dans cette vie alors? Elles appuient déjà sur toutes les, comment on appelle ça, les traumas tout au long de sa vie. Donc, c'est elle qui provoque des situations, surtout de violence, c'est ce qui me vient. Et peut-être aussi parfois, je vois comme des lignes de temps qui sont déviées, comme si elle bloquait en fait les lignes de temps. Pour qu'elle ne puisse pas s'en sortir, avoir une meilleure vie, par exemple. Mmh. C'est comme ça qu'elles interviennent dans un premier temps. Et ensuite, elle a des incarnations où elles l'ont attrapée avec cette énergie-là, cette machine. Comme absentée, c'est ça? Exactement, piégée, je veux dire ça comme ça. Comme de toute façon, elle est dans des fréquences basses. Donc, c'est. Très facile pour elle de l'appréhender. Donc, il n'y a pas de consentement, là, je suppose. Là, il n'y en a pas, non. Elle a été choisie, donc sans oui. consentement. Depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations. Oui. Et c'est elle-même également qui choisit les lignées dans lesquelles elle va s'incarner. Oui. Quelles sont les caractéristiques principales qu'elle choisisse pour l'y incarner? J'ai la lignée des femmes qui s'est activée fortement avec des problèmes de viol ou de violence, mais aussi
d'abandon. En fait, il y a des sortes de répétitions d'abandon, de blessures d'abandon, ouais, quelque chose comme ça. C'est assez fort, quoi, je dirais. Oui, c'est ce qui fait baisser les fréquences et en facilite la tâche. Oui, le lien mère-fille, voilà. Comme d'habitude. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Marina prennent conscience et connaissance de la situation et de ses conséquences. Oui, ça y est. Ça va partir de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai un être humanoïde de type polarité féminine, cinquième dimension. C'est dans la constellation de la Lyre, il me semble. Au fond, au bout de la constellation de la Lyre. Cette planète, elle est très harmonieuse. C'est cinquième dimension, mais ça tend vers la sixième. Il y a une énergie de calme, d'apaisement, une belle énergie très nacrée, je dirais. Et même sa physicalité est plutôt dans les blancs nacrés, je dirais, en tant qu'humanoïde. Il y a des fréquences qui sortent de leurs oreilles. Je ne sais pas, quand je dis fréquence, c'est que je vois comme des ondes, voilà, des deux oreilles. Et c'est comme si ça chantait. Pour nous, en tant qu'humains, on verrait ça comme des chants. Mais c'est des modes de communication, mais aussi des modes de communication vers l'extérieur, vers les autres planètes de la Lyre, extérieures à leur planète, à leur environnement. Tu peux me décrire sa physicalité, à quoi elle ressemble ? Humanoïde féminine, certes, mais comment tu la vois, le visage ? Un visage allongé, avec des yeux type, tu sais, les Asiatiques, les yeux, comme ça, bridé, voilà, chercher le mot. Alors, bridé comme ça d'un côté, et très allongé comme ça, avec une sorte de nez, je peux dire ça comme ça, plat, plutôt plat, enfin un nez. Le visage est plutôt plat, comme ça, c'est bizarre. Et les oreilles sont intégrées dans la. C'est comme s'il y avait une radio, tu sais, une baffle de radio. C'est technologique, ça ? Non, c'est biologique. Ça, c'est biologique. D'accord. Ça communique comme ça avec des ondes. Alors, par les yeux bridés, visage plat, ça ressemble un peu à des félins ou pas du tout ? Si on peut apparenter cela, oui, à félinoïde, c'est très majestueux. J'ai le terme majestueux qui me vient. Oui, ça peut s'apparenter au félinoïde. C'est une étoile ou une planète sur laquelle elle se trouve là ? Non, c'est une planète. Elle est entre la cinquième et la sixième. Et il y a une sorte d'amélioration, de construction de la sixième, justement. D'accord. Bien. Et à quoi ressemble cette planète alors ? Il y a de la végétation ? Est-ce qu'il y a des rivières, des fleuves, des océans, des montagnes ? Non, pas spécialement. Je vois des habitations plates, avec des toits plats, comme des troglotites, voilà. Comme si c'était sous terre, mais ce n'est pas sous terre, c'est dans l'énergie. Et c'est des toits plats, je ne sais pas. Je regarde. Ouais, c'est des troglotites, on va dire. C'est désertique, je dirais. On peut dire ça comme ça. Je ne vois pas de végétation. Bien, et c'est quoi leurs occupations, centres d'intérêt, leur manière d'exister ? Alors, il y a des communications avec d'autres planètes de la Lyre. Et il y a comme des. Non, ils sont là, ils vivent là, en fait. Je veux dire, il y a des échanges d'informations, mais les échanges d'informations que ce peuple a, c'est pour construire leur sixième dimension. C'est spécifique là, en ce moment. D'accord, c'est leur occupation. Voilà, exactement. Ok. Bien. Et donc, celle qui est Marina aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre à partir de cette existence ? Justement, il y a quelque chose qui brille depuis tout à l'heure au loin, et c'est comme si j'apercevais une étoile, en fait, de sa perspective, de sa planète, qui brille.
Et j'ai Marina, en fait, a une forte envie et une curiosité d'aller, de se déplacer et d'aller voir ce que c'est. Elle n'avait jamais vu cette étoile briller autant dans leur espace, dans leur environnement. Donc, il y a elle et d'autres congénères, on va dire, qui se déplacent, mais c'est surtout elle que je vois par curiosité qui se déplace dans leur Merkaba. Avec, individuel ou collectif? Non, c'est individuel. Enfin, j'en vois plusieurs. Et se déplace vers l'étoile. Et plus il se déplace vers l'étoile, et plus là, j'ai Sirius qui s'active. Et derrière Sirius, j'ai la planète Terre. C'est bizarre. Hein, qu'ils aient perçu comme ça, en fait, la planète Terre briller. Comme une énergie, un appel. Je ne sais pas. C'est un appel sans être, sans objectif, hein, en tout cas. D'accord. Donc, c'est la planète Terre qu'elle voyait briller comme ça de sa planète? Qui était anormal. Enfin, ce n'était pas normal. Ils n'avaient jamais vu, en fait, cette étoile, on va dire ça comme ça, dans le ciel, dans leur environnement briller. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? Elle s'approche de l'espace terrestre? Oui, exact. Oui, et alors? Et alors, ils découvrent la planète Terre qui est en construction. C'est pour ça que ça brillait. L'énergie était en cinquième dimension. Ça brille. L'énergie est haute. Et ils sont très curieux, dont Marina. Et en fait, ils prennent des informations. Ils échangent des informations avec la Terre, avec Gaïa, puis d'autres êtres qui sont là aussi. C'est ce qui se passe. Et on fait quoi? Ok, elle y reste beaucoup plus longtemps que les autres. Les autres repartent sur leur planète et elle a envie d'y rester un peu plus longtemps. Il y a comme des fréquences de son aussi vibratoires sur Terre qui l'intéressent et c'est comme si elle avait envie de collaborer ou de travailler. C'est par rapport aux oreilles, à ces fréquences. Et donc, elle y reste plus longtemps. Et à un moment donné, dans le temps, je ne sais pas combien de temps exactement, mais il y a la fausse matrice, toujours ce scénario. La fausse matrice qui, avec les entités, en fait, qui débarquent dans l'espace et qui baissent les fréquences de la Terre. La Terre est déjà en quatrième dimension, si j'aperçois. Elle est restée en cinquième dimension. Mais quand il y a ces arrivées-là, en fait, d'énergie de basse fréquence, enfin plus bas en tout cas que ce qu'elle vibre elle, j'ai le terme tournis, c'est comme si elle avait le tournis, comme si elle perdait pied, elle n'arrivait pas à rester stable, voilà. Et donc elle descend en fréquence, je dirais au moins jusqu'à la quatrième dimension, avant de se sentir comme bloquée en quatrième dimension. C'est-à-dire qu'elle est bloquée, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus rien faire. Parce que les fréquences sont trop basses. Et ensuite, alors? Elle va se faire naturellement, à un moment donné, elle reste longtemps comme ça, bloquée. C'est assez angoissant, parce que je sens mon plexus qui s'angoisse. Et ensuite, elle est aspirée dans les roues d'incarnation qui s'installent en suivant. Ok, sa première vie sur Terre. En 3D, c'est en tant qu'humaine ou d'autres formes avant? J'ai eu des formes animales, c'est passé très rapidement, type mammifère sur Terre, quatre pattes. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça ressemble à... Bon, oui, ça peut ressembler à des félins, je ne suis pas très sûre, mais... Et ouais, voilà, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. C'est inconnu hein, pour moi. D'accord. Bien. Plutôt des espèces qui sont imposantes ou... Oui, assez quand même. Enfin, imposantes, pas comme un éléphant, hein, mais... Oui, bien, c'est... D'accord, c'est imposant. Ouais. D'accord. Et après, donc, elle a plusieurs manifestations en tant que mammifère? Pas beaucoup. Très rapidement, elle va se changer ou se transformer par intention, en fait. Quand elle arrive dans les routes d'incarnation, elle... demande, enfin c'est pas une demande, je sais pas, intention,
elle se transforme ou elle se réincarne en humain. Ok. Première vie sur Terre en humain, c'est quoi ? C'est où, pardon ? Type amérindien, très proche des animaux, je dirais. Parce que j'ai un aigle qui s'active fortement en tant que femme dans des tribus de l'aigle, quelque chose comme ça. Comment ? Tribu ? Tribu de l'aigle. Il y a cet animal-là qui s'est activé fortement à ce moment-là. Ok. Bien. Bien sûr, on n'est pas fait pour faire l'historique. Hein. On n'est pas là pour faire l'historique. Donc, tu vas revenir ici maintenant. Alors, oui, Marine. Voilà. À présent, qu'on en sait un peu plus sur sa boucle, la boucle de manifestation de son soi supérieur. Maintenant, tu vas regarder. Donc, tu vas la scanner encore. Et dis-moi si tu vois des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon, j'avais tout vu. Bien. Alors, on a vu que son ADN était trafiqué. Quel pourcentage est trafiqué de son ADN ? J'ai 5% qui s'active. Et dans les 5%, il y a des inclusions d'ADN étrangers ? Oui, j'ai 1%. C'est dont 1% ou 1% en plus ? Dont 1%. J'ai eu le terme gangrène qui okay. s'est activé à ce moment-là. C'est l'insectoïde ? Oui. Pourquoi tu dis gangrène ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme si les 1% venaient contaminer les autres. Les autres pourcentages. D'accord. Dans le temps okay. de l'ADN. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça cause comme déjà comme problème modification et inclusion d'ADN ? Alors, perte d'identité, la perte aussi de, alors je vais dire ça comme ça, manque de confiance en fait, de qui je suis. Voilà. Perte d'identité et la perte de confiance en soi. Ok. Bien. Alors, regarde si le reste de son essence est bien issu d'elle-même. Oui. Son ADN, d'accord. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veut ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces mantes, qui vois-tu d'autre ? Alors, des opportunistes, entités démoniaques, qui appuient sur toutes les failles psychiques ouvertes, comme des plaies ouvertes, type. Alors, j'ai dévalorisation, je crois. Comme une sorte de passage de dépression, c'est-à-dire, oui, de dépression, de tristesse intérieure. J'ai des peurs parfois qui s'activent aussi. Ok. Qui vois-tu l'autre ? Alors, les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Et ces fameux parasites que tu as vus oui, dans le système matriciel, oui. Enfin, parasite artificiel. Tout à fait. Technique. Bien. On ne voit pas l'autre à part cela, hein, de plus biologique. Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Marina se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité et structure. Oui.
Elle se connecte à la source et fait descendre information, originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Marina à présent ? Il y a un grand soulagement. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Elle déploie des filets énergétiques pour la récupérer. Bien, donc on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un endroit juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Ah, maintenant tu ouvres un grand portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2 et 3. Oui. Voilà. Alors, attends. Est-ce que tu m'entends ? Oui. Voilà. Donc maintenant, tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui. Bien. Alors, dis-moi s'il reste. Regarde la bulle énergétique de Marina. Dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, j'ai des réminiscences. Alors, on les a mis sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. On regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan ? Non. Bien. Alors, dis-moi à présent si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Alors, ils utilisent les données au niveau génétique et au niveau des œufs. Bien. Elles sont stockées où, ces données ? Alors, elles détiennent déjà des œufs, je dirais, dans des sortes de... C'est pas des couveuses, hein, mais donc on va dire dans des coffres-forts à ordinateur. D'accord. Ok. En laboratoire, c'est dans le labo. Bon, on va tout détruire. Allez, 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, là c'est bon. Bien. Alors, dis-moi à présent si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, j'ai encore quelque chose qui s'allume, qui s'active comme une sorte de sauvegarde de puce sur un ordinateur central et dans une autre faction. C'est bizarre. Hein. Hop. Ouais. Et l'ordinateur central est relié à plusieurs ordinateurs ? Oui, de son vaisseau, on va dire, mais des autres vaisseaux aussi. Tu en comptes combien en tout ? J'en ai une dizaine. Ok. Alors, on grille que ce qui concerne Marina ou on peut griller oui. Tous les ordinateurs ? Marina seulement. Ok, alors on grille tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, oui, c'est bon. Bien. Alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, elles ont activé des lignes de temps et des espaces-temps, c'est-à-dire des anticipations de séance. Elles se servent de matériel pour ça ? Alors, oui, les deux. Les deux quoi ? Oui, pour les lignes de temps hein, et pour le SAS. C'est deux matériels okay. Différents. C'est deux matériels différents. Ok. Eh bien, on va tous les exploser. Allez, 1, 2, 3, t'exploses tout. Oui, c'est éteint. Voilà. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, j'ai quelque chose avec le contrôle mental. Ouais. Elles contrôlent le mental. Donc, elles ont quelque chose de Marina à ce niveau-là. De quelle manière elles s'y prennent ? Je ne sais pas encore. Parce que tu vas le savoir. Regarde. À travers déjà leur physicalité à elles. Par rapport à leur mental. Avec leur mental. Mental. Elles font ça avec les fréquences, oui. Donc, une espèce de télépathie, c'est ça ? Ouais, exact. Ok. C'est toutes. Elles sont combien à faire ça ? Alors là, j'en ai une principalement avec elle, mais il peut y en avoir trois, voilà, qui s'activent derrière. Ça fait okay. Quatre en tout. Bien.
Donc, on va effacer de leur système neuronal et de tout ce qui leur permet de se souvenir d'elle. On efface tout, d'accord? On efface la mémoire et tout. 1, 2, 3, pour tout ce collectif. Oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, j'ai eu le terme, elles sont perdues. Donc, j'ai aucun lien. J'ai plus de lien avec Marina. Elles n'ont pas anticipé la séance. Nous savons qu'elles sont très malignes et très fortes. Regarde s'il y a quelque chose de dissimulé. Non, elles sont perdues dans leur espace-temps là. Comment réagissent-elles de ce qu'on a fait ? Elles ne sont pas contentes. C'est comme si elles étaient exaspérées, des êtres humains. Ok. Elles nous ont repérés ou pas ? Non. On n'a pas été dans leur collimateur ? Pas du tout, non. Parfait. Alors, on va regarder maintenant son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel, en observation. Bien. Comment tu as son âme ? Soulagée. Elle a encore peur, en fait, mais il y a vraiment un grand soulagement de la situation. Bien. Et la partie subliminale ? Alors, elle tente de se rééquilibrer, de se réajuster. Donc, elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Marina pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle ? Oui. Alors nous y allons en mode élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marina. Alors, de vivre cette incarnation en tout équilibre, j'ai ce terme-là qui m'est venu, de l'équilibre dans sa vie 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité ? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source ? 98%. Tu l'invites à monter à 100% ? Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu ? Alors, c'est comme si il lui manquait un morceau. Ah, comme s'il avait été mangé. Tiens, c'est rigolo. On a mangé l'arbre du côté gauche. Il y a eu un croc. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées ? Le manque de repères pour elle-même et dans la lignée, surtout côté gauche, la polarité féminine, et les problèmes de communication, c'est bancal avec la polarité masculine, c'est très bancal. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Marina ? Elle se sent incomprise de la polarité masculine, elle se sent aussi isolée dans sa lignée de femme. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière ? 43. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Il y a des entités démoniaques qui mangent les arbres. Différents arbres, d'ailleurs. Ils donnent un croc. Mais après, ils recrachent. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré ? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire ?
une augmentée de fréquence est soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se reconstruit, il se libère, les âmes se reconnectent entre elles. En fait, chacun reprend sa place. Comment vois-tu que ça impacte Marina? Elle se sent beaucoup plus forte de l'intérieur et à sa place aussi, à sa juste place exactement. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, à présent, on va regarder son ADN. Alors, que compte-t-elle faire avec? Déjà, il y a 5% d'ADN, dont un modifié, enfin un insectoïde. Quel pourcentage peut-on éliminer dans un premier temps? Alors, 2% de modifié. 2% modifié. Ok, alors on les élimine sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 2%, tu envoies en arrière-plan résidu. Non, c'est bon. Alors, elle le repasse avec sa propre essence. Oui. Quel pourcentage maintenant peut-elle éliminer? Les 2% modifiés restants. Les 2% également. Allez, idem. 1, 2, 3. Oui. Et elle les remplace avec son essence. Oui. Et à présent, dernier pourcentage? Oui, 1%. Oui. Allez, 1, 2, 3. Oui. Et elle le remplace avec son essence. Oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'élises? Combien sont connectées et combien sont activées? Alors, il y en a 5 qui sont activées. 5 et 5, elles sont déjà activées. D'accord, ok. Oui, c'est pour ça que j'ai bloqué. Bien. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Alors, ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique et physique. Voilà, c'est bon. Bien. Alors à présent, nous allons nous occuper donc de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Donc, j'arrête l'enregistrement. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes maintenant s'il reste de l'aventure des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. C'est normal. Donc, elle remplace tout avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, brise et concrétise. Oui. Voilà. À présent, elle remonte sa ligne de temps jusqu'à avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel de l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et estime de soi et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui.
et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout l'espace-temps, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Ah. Alors j'arrête et je vais conseiller à Marina d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Car comme tu l'as compris, cela ne se fait pas sans toi. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, c'est bon. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Marina, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire le souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir.
Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseignement de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiabiliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, c'est bon. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double de lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui.
la particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contrôle des influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contrôle des influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre nuisance des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de l'hibiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Marina de visualiser, imaginer et ressentir au maximum dans la mesure de tes possibilités pour faciliter les intégrations. À toi, Joey. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Arrivée au centre, elle déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante et tourbillonnante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est bon. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal, avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille, pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, surtout des plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et pour ce faire, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes. Et on va commencer par le système cérébrospinal. En le calquant à son archétype originel, que se passe-t-il? Il fusionne, il se réinitialise jusqu'au moindre détail. Jusqu'à la troisième dimension? Oui. Bien, alors on va continuer avec les autres systèmes. Système nerveux? Oui. Sanguin? Oui. Lymphatique? Oui. Énergétique des méridiens? Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent y attenant? Oui. Musculaire? Oui. Cardiovasculaire? Oui. Respiratoire? Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales? Oui. Digestif et métabolique?
urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Et fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Voilà. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Nous abordons à présent le système de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu ? Il y en a 7. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, mais et concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, on élimine tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan ? Non. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. À présent, les programmes de vieillissement au sein de son ADN, des cellules, de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des cinq éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Bien, et maintenant, on va regarder sa glande pinéale. Avant cela, donc, on a vu qu'il y avait un système GPS entre la corona et le troisième oui. Je crois. Oui. Est-ce qu'il en reste quelque chose ? Non. Bien. Alors, pour la pinéale, on va regarder la valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris le sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite ? 45%. Bien. Elle était à combien avant la séance ? 38. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui.
Voilà, donc on va regarder maintenant tous ces points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est depuis qu'elle est dans cet appartement, elle sent qu'elle a moins d'énergie, elle ne bouge plus, bon, elle contemple la nature autour d'elle, mais elle n'a plus la même énergie qu'avant. On regarde qu'est-ce qui se passe depuis qu'elle est dans cet appart. D'abord, est-ce que c'est l'appartement ? Oui, enfin, c'est lié au lieu, oui, exact, parce que j'aperçois comme... comme si elle se situait dans une sorte de cuve, de vortex. Quand tu as dit qu'elle contemplait la nature, etc., qu'elle se sentait fatiguée, c'est comme s'il y avait une entrée de basse fréquence qui était placée là, comme une sorte de vortex, je dirais, qui puise l'énergie. Il est artificiel ou c'est un vortex naturel ? Non, c'est pas naturel. Parce que tu dis, il a été placé. Il a été placé par qui ? Oh, je sais pas, j'ai des énergies avec des pierres. J'ai comme une pierre qui s'est activée avec des intentions, des sortes de, ouais, d'intentions. Comme de la magie ? Comme de la magie, oui. Des prières, quelque chose comme ça. D'accord. Installé par quelqu'un. Oui. Ça a été fait à l'encontre de Marina ou c'était avant elle ? Non, c'est pas à l'encontre. C'est... J'ai la sensation que c'est elle qui a fait venir cette personne-là, d'ailleurs. Je ne sais pas. Comme si elle avait procédé à un nettoyage, mais qu'en fait, il y a ce vortex-là qui est resté. Ah, d'accord. Donc, il a activé un vortex. C'était volontaire. Il l'a activé. Non, je ne pense pas qu'il... Non, ce n'est pas volontaire. Il n'est pas au courant. Tu as parlé d'une intention. Et oui, l'intention de nettoyer, on va dire. Ou de... Ah. Et d'accord, cette okay. intention avec une pierre, je ne sais pas, je vois quelque chose, en fait, ça a activé une ouverture, une sorte de vortex. D'accord. Est-ce que tu veux dire qu'il a chargé une pierre qui elle-même va activer un vortex ? Charger une pierre qui active un vortex. Avec l'intention, oui, c'est possible. Non, mais je te demande si c'est possible, je veux que tu regardes. Si c'est ce qu'il a fait ? Oui. C'est avec la pierre, en tout cas, que ça s'est activé, oui. Alors, regarde comment il s'est pris avec la pierre. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Est-ce qu'il a chargé la pierre ou la pierre a servi à quelque elle chose ? Elle a servi avec l'intention. C'est comme si c'est la pierre qui est elle-même à une conscience et que c'est elle qui ouvre le vortex avec un point central, avec des lignes, on va dire, du lieu. C'est-à-dire géobiologique. D'accord. Donc, tu veux dire que dans les sous-sols, tu vois quoi ? Alors, c'est juste des lignes naturelles d'énergie qui sont dans les sous-sols. Qui sont... Des failles ? Alors, ce n'est pas des failles, c'est... Tellurique. Tellurique, voilà, exactement. Tellurique. D'accord. OK. Et ces courants telluriques sont toujours actifs sur le vivant, dans la maison ? Ou l'appartement, ouais. Oui, c'est actif. Ben, c'est en même temps, c'est tout cet ensemble-là qui a activé ce vortex. Et c'est quand elle est placée là-dedans qu'elle se sent comme démagnétisée. C'est ce terme-là qui me vient. Oui, d'accord, ok. Bien. Bon, ben, on va nettoyer ça tout de suite puisqu'on va continuer la séance et autant que ce soit nettoyé. Donc, cette pierre, on va la désactiver. Hein, donc c'est elle qui va faire une puissante tornade, elle va déjà désactiver cette pierre. Oui. Voilà. Maintenant, ce vortex qui est formé, est-ce qu'il est toujours là ou est-ce que ça le désactive également ? Non, il est toujours là. Il est toujours là. Ce vortex a une conscience ? Oui. Même s'il a été créé artificiellement ? C'est ça. Oui. Alors, donc, elle va lui demander de se déplacer et de trouver un lieu qui lui convienne. Aussi bien, sinon mieux que celui-ci. Il est OK avec ça ? Oui. Bien. Donc, allez, il y va. Oui. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme endroit ? Non loin de la maison, sur un terrain vague, j'ai envie de dire, quelque chose comme ça. Et il se sent comment là-bas ? Très bien, parce qu'il a les mêmes lignes d'énergie qui passent. Ah, d'accord, il profite des mêmes lignes, d'accord. Bien. Il accepte d'y rester ? Oui. Bien, donc on va le saluer et le remercier. Oui. Et maintenant, pour les failles, enfin pour les énergies telluriques, tu vas faire une dalle suffisamment épaisse
pour que les énergies ne puissent plus y passer. Et bien sûr, créer des tuyaux d'évacuation pour que celles-ci ne restent pas stagnées en dessous et soient évacuées, mais loin d'autres habitations pour ne polluer personne. Oui. Voilà, comment tu vois maintenant l'énergie ? Plus calme, c'est posé. Ouais, calme, posé, tranquille. Et Marina aussi, en fait, elle se sent plus démagnétisée comme avant. Parfait. Alors, tu l'as programmé ça pour être stable, équilibré et surtout indestructible. Oui. Voilà. Donc, puis le reste de la maison, enfin de l'appartement, elle le fera tout à l'heure. Hein. Si elle peut commencer à faire une puissante tornade pour tout nettoyer, intérieur, extérieur, puisqu'il y a un jardinet, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Et on fera le reste après, en traitant l'appartement. Bien, voilà. Alors, est-ce que tu vois maintenant qu'elle va récupérer ses énergies ? Oui. Elle sera plus énergique, plus en mouvement. Ça sera stabilisé en tout cas, et oui, elle va reprendre sa vitalité. Ouais. Parfait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a une petite alerte au foie ? Voilà, donc elle avait eu précédemment une péritonite à la vésicule. Elle a été opérée, elle s'est même fait retirer. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone ? Moi, ça me remontre les œufs qui étaient placés dans le vagin et qui déstructurent en fait les liaisons entre les organes, quelque chose comme ça. D'accord, ça, plus que l'environne, quoi. Et ça crée ouais, des angoisses aussi dans les intestins. C'est ça. Alors, je suppose qu'il ne reste plus rien des œufs. Alors, il y a des résidus, je dirais, comme des marquages. Ouais. D'accord. Bien. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu vois d'autre qui resterait à éliminer ? Donc, des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmes de compensation de l'élémental. Ok. Alors, je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser. Oui. Voilà. On va demander à son élémental de recréer cette vésicule biliaire qui a été retirée, la recréer bien sûr sur le plan énergétique, pour qu'elle puisse avoir la fonction qui était la sienne. Oui, c'est comme si j'observais des reconnexions entre les organes. Oui. Tous les organes. Aussi. Oui. Donc elle refait toutes les connexions. C'est bon. Voilà. Donc, comment tu vois son foie maintenant ? Comment tu vois tout son système matriciel ? Alors, il reprend sa place. C'est ce qui m'est venu par rapport au système matriciel. Tout reprend sa place. Comme le désir et le plaisir, c'est ce qui m'est venu. Et le foie, lui, il aurait besoin d'une énergie un peu plus revitalisante. Je sais pas comment... Alors, allons-y. Allez. Allons-y pour énergie revitalisante. De l'eau primordiale aussi pour les cellules souches du foie. Allons-y, on rajoute des cellules primordiales. Voilà, là il se sent mieux en connexion avec les autres organes et même celui qui manque en 3D. Mais c'est on peut mettre des cellules souches de la vésicule, on ne sait jamais. Oui. Voilà. Oui. Avec l'eau primordiale. Voilà. Oui, c'est bon. Et on rajoute pour tout ça de la force vitale. Oui. Voilà. Tu as autre chose à faire par rapport à cette zone ? Non, là, c'est correct. L'énergie. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, la circulation au poignet, à la base du pouce, le dos également. Non, articulation, pardon. Je me relis mal. Donc, les articulations, poignet, base du pouce et dos. Donc, des douleurs, qu'est-ce qui lui arrivait ? J'ai une surcharge électrique, c'est ce qui me vient, mais d'un poids de l'élémental, en fait. C'est-à-dire que, ah oui, j'avais observé dans son ancienne situation énergétique le côté gauche qui était beaucoup plus lourd que le côté droit. Et donc, c'est de là que vient cette surcharge. Il compense, en fait, l'élémental. D'accord.
Et donc là, ça apporte sur les articulations? Oui, parce que j'avais senti aussi au niveau des bras qu'il y avait une sorte de lourdeur, quelque chose comme ça au niveau des bras. Oui, c'est ce qui, j'ai le terme anesthésié. C'est ce qui est anesthésié aussi les articulations comme le pouce. Ok. Alors qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Alors, des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement, des programmes de compensation et des programmes de stabilisation aussi de son environnement, on va dire, de son état général. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Capacité 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, érotisé. Oui. Et on invite son élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de sa physicalité, vues et pas vues. Oui. Voilà. Tu vois, j'ai senti comme une énergie traverser mon dos, se réaligner en fait et se réancrer. Ouais. C'est bon. Bien, alors stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, donc elle fait de la rétention d'eau avec un surpoids. Alors depuis qu'elle a quitté son mari, on regarde si c'est en lien avec cet événement ou pas, ou qu'est-ce qui se passe. Oui, je dirais qu'il y a la blessure d'abandon. Enfin, il y a comme la rétention d'eau, c'est comme une compensation de l'élémental, la sensation de se sentir isolé, ouais, voilà, comme dans son arbre généalogique. Mmh. Ouais, comme bah, c'est par rapport, c'est lié à l'arbre en tout cas. D'accord, le surpoids aussi. Oui, cette sensation de vouloir se sentir entouré, ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Bien. Donc, déjà, elle va couper avec l'arbre, enfin, les liens toxiques, oui. On peut dire, hein. Elle va couper tous les liens toxiques, et même, on va dire, tous les liens toxiques, souvent le terme générique qu'on a élaboré, c'est-à-dire qu'ils soient relationnels, transgénérationnels, qu'ils soient karmiques, et oh, tous les liens toxiques. Elle est OK avec ça? Oui. Alors, elle les coupe tous sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et que vois-tu qu'il reste à éliminer maintenant? Des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, érotisé. Oui. Voilà, on va donner un petit coup de boost dans ces systèmes circulatoires, qu'ils soient lymphatiques, qu'ils soient sanguins et qu'ils soient énergétiques. Oui. Et on va demander à son élémental d'installer une programmation pour l'amaigrissement, voilà, qu'elle retrouve le poids idéal pour elle, en jouant bien sûr sur tous les systèmes en question, hein, qu'ils soient circulatoires, qu'ils soient métaboliques, digestifs, etc., endocriniens, enfin tout ce qui va pouvoir de permettre du moins l'amaigrissement. Oui. Tu vois tout ça vert? Non, là, c'est correct. Bien. Alors, stabilise, sécurise, paix et concrétise. Oui. Voilà. Par rapport, donc, le côté émotionnel du quand elle a quitté son mari, il en reste quelque chose ou pas? Oui, il y a des résidus. OK. Alors, on élimine 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Voilà, et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Et dans sa sagesse intérieure et dans la perspective où elle se trouve maintenant, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu, voilà, avec son mari, avec tous ses maris, toutes les situations qu'elle a vécues, y compris pour ses enfants. Quel regard elle porte sur tout ça? Et qu'est-ce qu'elle en comprend? Elle a un grand détachement et elle comprend tout le système matriciel, en fait, les entités aussi qui sont derrière chacune des personnes. Les mémoires ou les programmes aussi.
dans laquelle elle se trouvait, elle. J'ai même cette perte de confiance aussi. Bien, qu'elle voit. À présent qu'elle comprend tout ça, qu'est-ce que ça les fait ressentir vis-à-vis de toutes ces personnes et de tous ces événements? Alors, j'ai comme de la compassion, en fait, quelque chose qui me vient comme ça. Et du détachement, surtout. Il y a de la compréhension, en tout cas. Ça, c'est le principal. Bien. Maintenant qu'elle ressent tout cela, qu'est-ce que ça les fait ressentir par rapport à avant? De l'apaisement, de la paix intérieure, beaucoup d'apaisement, de calme et de sérénité face à ces événements antérieurs. Alors, qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, problème cardiaque, donc maintenant c'est, il n'y a plus, mais bon, elle a eu de l'arythmie, de la tachycardie. Regarde à quoi c'était dû. L'ancienne situation énergétique qui était toujours présente, ça me ramène aussi au, alors la circulation sanguine, mais aux douleurs intercostales aussi, que, enfin les douleurs, la pression en fait, et la sensation de ne pas arriver à bien respirer aussi correctement. Donc c'est son ancienne situation énergétique. Bien, donc pour toutes les parties qui ont été impactées, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, maintenant, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Régaligné et rôtissé. Ah, comment tu vois son système cardiaque, comment tu vois l'intercostal, en fait, tout ça? Libre, je dirais. Ça s'est libéré, c'est beaucoup plus... Ouais, c'est libre, tranquille, on va dire. Bien, alors stabilise, sécurise, mais y concrétise. Oui. Bien, autre point, donc elle aimerait vendre cet appartement pour partir à la campagne. Bon, déjà, avec ce qu'il y avait, je suppose qu'elle était bloquée. C'était bloqué tout ça, non? Alors, oui, exact. C'était bloqué. Oui, parce que c'est les mentes qui dirigeaient de toute façon. Ah. Ok. Bien, maintenant qu'elles ne sont plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour tout débloquer? Donc, des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà, il est toujours en conscience de sa connexion avec la source, en ressentant l'amour qu'elle est, dans sa complétude, dans sa paix intérieure et sa profonde sagesse. Donc, elle va installer une programmation sur laquelle maintenant qu'elle mérite le meilleur, que tout lui est possible et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance sont ouvertes sous toutes ses formes et tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Bien. Donc, stabilise, sécurise et pérennise cette programmation. Oui. Comment vois-tu Marina à présent? Beaucoup plus, donc, des ouvertures, je dirais. Une ouverture, en tout cas, elle, je la vois partir et aller vers la campagne. Et tout lui est ouvert, en fait. Elle trouve le lieu et la maison idéale. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Beaucoup de liberté, la sensation de légèreté, de la joie, ça en découle, et beaucoup de plaisir à se sentir libre. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà,
Alors, quand la question j'achète ou je construis, elle aura les informations nécessaires, elle le sentira. Hein. Il y aura les synchronicités et tout ce qu'il faut, puisqu'elle est pleinement connectée. Tout va se faire facilement. Voilà. Et elle aura ses propres réponses, en temps voulu. Alors, deuxième question, voilà, déblocage pour tout. Hein, voilà. Donc, dans les conditions qu'elle a évoquées, la perte du point de permis de conduire, son ordinateur, etc., sa clé coincée de la porte et du jardin. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait tous ces blocages en même temps? Alors, j'ai aussi cette situation avec le vortex qui l'a démagnétisé et les, comment on appelle ça, les entités démoniaques qui jouaient à ce moment-là. C'est comme dans un espace-temps qu'elle était placée, donc en blocage en tout cas, bloquée sur ses corps subtils et les entités démoniaques aussi s'amusaient et jouaient avec ça. D'accord, c'est elle qui a bloqué les clés, etc. Oui, parce qu'elle était dans cette position-là démagnétisée. Je vais reprendre. D'accord, ok. Bon, là, avec tout ce qui a été fait, tu vois les choses éliminées? Alors, oui, des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Tu vois qu'il y a besoin d'autre chose avec ça? Non, là c'est bon, c'est correct. Elle se reconnecte en fait. Bien. Alors au niveau professionnel, pareil. Donc, elle ne vit pas de cette activité. Et puis lorsqu'elle veut arrêter, hop, elle a un rendez-vous. Alors regarde, qu'est-ce qui se passait? Alors, j'ai plein de liens avec des liens toxiques avec l'arbre. J'ai cette sensation-là de dévalorisation, de manque de confiance en soi, etc., qui était lié à l'arbre en général, dans les liens toxiques. Et c'est ce qui donnait cette lourdeur, cette pesanteur dans son travail. C'est ce qui faisait qu'elle n'arrivait pas à s'ouvrir. Mais qu'à chaque fois qu'elle avait du monde qui venait quand elle décidait d'arrêter, ça c'est le soi supérieur qui provoquait. Ne lâche rien, c'est ça? Exactement. Ah oui, d'accord, ok. Bon, quand tu dis que c'est lié à la lignée, ça, certes, mais est-ce que tu vois qu'il y a aussi des mémoires de vie antérieure éventuellement? Alors, quand tu as dit ça, oui, les mémoires antérieures, ça, c'est oui. On va dire oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme les liens de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires de violence ou d'abus, des choses qui sont assez lourdes et qui amènent à tout ce qui est lourd dans comment dire, l'abandon, la dévalorisation, la confiance en soi. Quelque chose comme ça. C'est les deux. Cette vie de petite fille-là qui a été exactement. La grande pauvreté, malmenée, maltraitée, etc. Exact, ouais. Je pense que ça a laissé des liens et des empreintes importantes. Ouais. Donc, elle va couper tous les liens toxiques, donc tout ce qui a été évoqué, y compris karmique, selon le terme générique qu'on a évoqué sur tous les plans. Elle coupe tout. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu d'autres choses à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Allez, idem. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà. Maintenant, avec la programmation que nous avons installée, est-ce que tu vois que tout est débloqué en ce qui la concerne? Oui. Bien. Tu vois autre chose à rajouter? Non, c'est bon. C'est correct, Alain. Bien, alors stabilise, sécurise, mais y concrétise. Oui. Bien, autre point, donc ce regard sur les hommes, ce regard négatif qu'elle porte sur eux. Bon, avec tout ce qui a été dit, ça se comprend, mais quelle information tu as pour être plus précise? Le manque de confiance et la sensation d'abandon aussi. Donc oui. Les mémoires antérieures et l'arbre qui s'active. Et les abus subis, est-ce que tu oui, penses c'est que ça un rôle? Oui, bien sûr. Ça fait partie des traumas et des mémoires, oui. Ok. Donc, elle va couper tous les liens toxiques également, souvent en termes génériques. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Tu vois autre chose à éliminer?
Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Oui. Ok, alors idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà, toujours en connexion avec la source, en ressentant sa véritable essence, cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa sécurité intérieure, une paix profonde et sa profonde sagesse. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, de la perspective où elle se trouve, quel regard elle porte sur l'espèce masculine. J'ai ressenti déjà un très fort ancrage et comme si elle reprenait sa place aussi dans cette 3D, sa juste place, à égalité avec l'homme, à égalité sur le même plan. Et le regard qu'elle porte, elle n'y voit que de toute façon les entités ou le système matriciel en place qui l'a mise dans ces situations-là. Donc c'est pas la faute de l'homme ou la faute d'un tel, mais c'est tout ce système-là d'entité. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent pour les hommes en général? Une paix. J'ai la paix qui s'installe là, par rapport à eux. Elle Bien. Se sent pas encore cette égalité sur le même plan. Très bien. Et ça les fait ressentir quoi tout ça maintenant? Cette nouvelle situation. Alors, il y a une force intérieure qui donne beaucoup de joie, cette force, et du plaisir à vivre avec cette force intérieure et se sentir bien face aux hommes. Alors qu'il n'y a pas le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le ramène ici maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties déjà précitées, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, précise et concrétise. Oui. Voilà, et pour terminer cette phase-là, on va regarder le tout premier traumatisme qu'elle a vécu. Tu vas aller à ce tout premier traumatisme. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes où là? Aux abords de l'espace terrestre, dans son origine, où elle est fortement angoissée puisqu'elle se sent comme bloquée dans la quatrième dimension, quand elle a perdu de son essence. Ok, donc tu vas la voir, mais évidemment, bien avant tous ces événements, à un moment où elle est dans sa pleine capacité, dans sa pleine liberté, dans son plein potentiel, son oui. bien-être. Voilà, donc tu t'approches d'elle, tu donnes des informations de ce qui va survenir et tu vas surtout l'inviter à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Ah, elle garde cette confiance et cette certitude en elle. Et j'ai le terme aussi qui elle est, de se rappeler qui elle est. Bien. Alors maintenant qu'elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également qu'ils ne changeront pas, ce seront toujours les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, de perception, de ressenti, sa manière d'être face à eux. On est OK avec ça? Oui. Alors, avant de plonger dans les événements, j'aimerais que tu me dises quelle compréhension elle en a de ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'elle en conclut? Que c'est une grande expérience qu'elle est en train de vivre et qu'elle va vivre. Parfait. Alors maintenant qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, qu'elle a toutes ses compréhensions et qu'elle les garde à l'esprit, elle va passer par tous les événements jusqu'à sa toute première vie humaine. Oui. Comment la vois-tu dans cette première incarnation humaine? Je dirais qu'il y a une puissance intérieure, une grande force. J'ai envie de dire comme une grande dame, avec plein de sagesse. Elle garde la mémoire de qui elle est? Oui. Bien. On est loin de la dramatisation et de la victimisation? Oui. Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer? Oui. Et elle va passer par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant. Et chacune d'elles va se réinformer et se reprogrammer. Oui. Arrivée ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Marina? Alors Marina, je la vois sourire, elle est joyeuse. Elle se sent beaucoup plus en paix et remplie aussi intérieurement. Voilà, j'ai cette sensation-là de me sentir rempli qu'avec certitude, je suis en sécurité.
Bien, alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et dans cet ici et maintenant, elle le télécharge dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pèse et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes, bien entendu, qui en découlaient. Alors, j'observe des programmations qui sont imbriquées les unes sur les autres. C'est compact, dense et très limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaires pour pouvoir les expulser de sa réalité. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut facilement les désintégrer, les expulser maintenant. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Alors, que reste-t-il à expulser? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tous sous les plans complicité. 1, 2, 3. Voilà, et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. J'ai comme une sorte de frustration, d'angoisse et de dépression là en arrière-plan, qui crée de la tristesse intérieure et surtout de l'impuissance de ne pas savoir comment me sortir de cette situation. Parfois, je me mets en colère, mais la colère n'est pas suffisante, ce qui crée de la nostalgie et beaucoup de fuite d'énergie et une fausse image d'elle-même. Bien. Alors maintenant, regardez du côté des cinq blessures principales qui sont, je rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice, de devoir vivre cette incarnation dans ces conditions-là, avec un sentiment d'humiliation, de ne pas avoir la force nécessaire pour pouvoir se sortir de ces conditions. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir laissée là, abandonnée et rejetée dans l'incarnation, dans ces conditions. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de se protéger ou d'éviter des pics de souffrance. Mais ça la coupe de ses connexions intérieures, les connexions tertielles également. Ça la décale dans sa réalité et cela crée une fausse image d'elle-même. Pardon. C'est mieux. Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tous les plans complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne la personnalité, maintenant tu as toutes ces informations. Toutes les compréhensions pour t'ouvrir à une vie nouvelle, à de nouveaux horizons, ouvrir de nouvelles portes pour une vie plus épanouissante, enrichissante, satisfaisante, etc. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Comment vois-tu Marina à présent? Est parfaitement alignée, reconnectée dans toutes ses parties. Il y a une grande paix intérieure, une complétude, une plénitude aussi de sérénité. De l'équilibre, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si elle est installée dorénavant en permanence. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui.
stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit avec cette nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est de son essence même, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les manifestations, les circonstances et quel que soit l'espace et le temps. Voilà. Et je rajouterai que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Marina? Un grand équilibre, alignement dans toutes ses parties, de l'ancrage, la sérénité. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état. Alors, elle prend le temps là aussi de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans tous ses plans, dans tous ses corps, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et estime de soi et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur. Quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vas-tu, Marina, à présent? Ça pétille, elle est alignée, équilibrée, sereine. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à découvrir ce nouvel état d'être. Alors, ça va être le moment des invitations. Oui. À nommer, bien sûr, ses trois enfants et leurs familles respectives, ses frères et sœurs et leurs familles également, sa famille en général, le père du dernier, voilà, le père des deux aînés aussi, et leurs familles respectives, les amis de cœur, tous ceux à qui elle pense, si d'aventure elle pense à d'autres personnes, le chat, évidemment, et les animaux de tout le monde qui sont conviés pour la douche finale, bien évidemment. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa propre situation, de sa situation respective sur tous les plans, et bien sûr de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection. Se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Marina pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont invités. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ?
Alors, ça va être le tour des désincarnés. Alain Nommé, celui qui a été son grand-père maternel. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral, dans des basses fréquences. Alors, identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est un environnement même instable. Je confirme que c'est lui. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout, qui nous envoie et demande-lui s'il veut être aidé. Il a un sacré caractère apparemment, mais oui, il accepte. Bien, alors nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences, donc il a changé de plan et d'environnement instable. Et c'est comme s'il avait changé d'apparence et est devenu beaucoup plus jeune, comme un jeune homme. Et il observe. Alors, que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? La source. J'ai eu les termes liberté, plaisir. C'est-à-dire qu'il veut aller vers la source. Et oui. Bon. Alors, dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, mais aussi sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Voilà, qu'il ne garde aucun lien d'attachement. Hein. Oui. Alors, avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Marina et tous ceux qu'il a aimé et côtoyé? Alors, ce qu'il me dit, c'est que c'est difficile pour lui d'envoyer de l'amour. Enfin, il ne savait pas trop y faire. Il ne savait pas comment faire. Il en a très peu reçu dans sa vie avant, sur Terre. Donc là, la seule chose qu'il voudrait dire et faire, c'est réparer peut-être le mal et les blessures qu'il a fait. Tu veux dire que là où il est maintenant, avec ce qu'on vient de faire, il ne ressent pas l'amour qu'il est? Ça vient. Il y a des choses qu'il n'a pas lâchées alors. Ça vient pour lui, mais c'est vrai qu'il a du mal à donner, en fait, à renvoyer. D'accord. Alors, regarde la perspective où il se trouve maintenant. Qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de tout ce qui s'est passé et de ce qu'il y a derrière? Ah oui, il observe dans son incarnation qu'il était comme dans des sortes de cuves et de puits sombres et noirs, je ne sais pas. Donc, il voit le système matriciel, c'est-à-dire dans ces sortes d'énergie, tout le système matriciel dans lequel il se trouvait. Donc là, il comprend beaucoup de choses. Il comprend qu'il y a beaucoup de choses qui n'est pas de sa faute. Même s'il a pu faire du mal, je ne sais pas, ça va jusque-là. Il s'est senti poussé ou manipulé. Bien. Alors maintenant qu'il comprend tout ça, qu'est-ce qu'il ressent? De l'apaisement. Alors. Beaucoup d'apaisement, et là, il est en train de se rééquilibrer, de se remplir d'amour, justement. Bien. Est-ce qu'il comprend le sens de la phrase qui dit qu'il n'y a que des innocents et des ignorants? Compte tenu des systèmes matriciels en place? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire ressentir quand il comprend ça maintenant? Qu'il est bien plus que ce qu'il pensait être. Donc, il se sent beaucoup plus grand, beaucoup plus expansé, beaucoup plus bienveillant et dans l'amour, en fait. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il veut exprimer et partager maintenant avec Marina et tout ce qu'il a aimé et côtoyé? Et bien que maintenant, il n'a plus qu'à envoyer toutes ses belles énergies dans la lignée pour aider, quelque chose comme ça. Bien. Alors, demande-lui avant de remonter s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Marina des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui. Oui. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. On va le saluer et le remercier.
Il nous remercie, oui. Il est parti? Oui. Il est sorti de la fausse matrice? En cours de route. Hein. Bien. Alors maintenant, ça va être le tour du grand-père paternel. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral, j'ai eu le terme brocante, brocanteur, quelque chose comme ça dans sa réalité. Il a plein d'objets, des objets fétiches, des choses comme ça. D'accord. Bien. Alors, tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Alors, on connecte directement la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences, il s'est expansé et il se trouve très bien là où il est maintenant. Alors, que choisit-il de faire? Remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors, du livre pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers Marina et tous ceux qu'il a aimé côtoyer? Oui, alors les objets de brocante que j'y ai vus, c'est des liens, on va dire, d'héritage ou des choses comme ça qu'il gardait. Donc là, il a tout coupé. Il se libère de tout. Et il remercie et il embrasse Marina. On va dire ça comme ça. Je traduis ça comme ça. Donc, il y a de l'amour dans toutes les consciences. Il envoie dans toutes les consciences qu'il a connues. Voilà, bien. C'est bon. Eh bien, on va le saluer. Oui. Il est sorti de la fausse matrice. Juste avant de sortir, il cherchait son épouse. C'est bon. Enfin, du coup, il a continué son chemin. Et alors, il l'a trouvé ou pas? Oui, il a vu, comme moi, j'ai pu l'avoir. Ça s'est allumé une fois. C'est juste une pensée qu'il a eue et hop, ensuite, il a continué sa route, comme pour dire au revoir, quelque chose comme ça. D'accord. Très bien. On revient à Marina? Oui. Bien. On regarde s'il reste des liens toxiques. Oui. Alors, elle va tous les couper sur tous les plans jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes s'il reste au sein de cette fausse matrice quelque chose en ce qui la concerne à éliminer. Non. Alors, de son espace moro-ciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de miscarte activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro, qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant, et dont tu peux profiter si tu veux. Oui.
Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morentiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. Oui. Elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installe installation de fleurs de vie, graines de vie et double de viscate activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 6 et 5 d'activées. Elle peut activer la sixième ? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies, des lignes de temps. C'est bon. Bien. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance ? De 9 à 14 mois. De 9 à 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels ? Alors, bien-être général et des déblocages. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance ? Il va y avoir des sensations de retour en arrière, car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité et il va donc rechercher ce qu'il connaît du passé pour le ramener dans le présent. Alors il suffira bien sûr à Marina de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien comprendre tout ça. Dans ce moment, il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, ce sont des choses qui arrivent, c'est normal, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail, plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp, et je rajouterai une fois de plus que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas détricoter et contrarier tout ce que nous avons nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Marina, on va aller dans le futur. Au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. Donc, il y a un bien-être général. Elle se sent alignée, connectée dans toutes ses parties. Il y a de l'intuition, il y a de l'équilibre, de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Tu vois l'intérêt d'observer nos recommandations. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, maintenant, on va regarder son domicile. Donc, on a déjà commencé à faire le travail tout à l'heure. Comment le vois-tu à présent ? C'est stable et clair. Donc, à tout nettoyer, l'intérieur, l'extérieur de la maison, mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance, s'il y en a. Enfin bref, partout où elle sait que c'est nécessaire. Parfait. Donc, maintenant, elle installe les fleurs de vie, graines de vie et double viscate activées et sécurisées partout. Oui. Maintenant, puisqu'elle a un compteur Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes.
Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé et sécurisé. Oui. Voilà, maintenant, sur tous les plafonds, elle va installer un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurisent. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classique de protection, elle également, et les autres occupants, s'il y en a, et s'ils le veulent, sans oublier, bien sûr, le minet. Oui. Voilà. Et à présent, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de météorisation complète, totalement réussie, dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester et concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à te souvenir de t'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. Maintenant, tu vas faire une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. Bien. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement ? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Et je rajouterai avec certitude. Bien. Et bien sûr, il suffira à Marina de se souvenir de ce qui a été dit, mais surtout de le mettre en pratique. Comment vois-tu son âme ? Ça pétille, il y a beaucoup de joie. Et sa partie subliminale ? Elle s'est renforcée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Marina, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé ? Oui. Alors, je rappelle que les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cet eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, la fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Marina avant la séance et quelle est-elle à présent ? De 58 et maintenant de 180. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Alors, c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Je peux dire ça. Ça va, comment tu es ? Ça va. Allez, à nous, Marina, tu peux remettre le son, nous t'écoutons. Voilà. Bon, c'est bon. Ben, merci.
C'est hyper complet votre boulot. Hein. Ça fait 2 ans que je suis presque toutes les hypnoses avant de me décider vers ce qui m'a attiré le plus. Parce qu'il y en a où c'est plus violent, ça ne me plaisait pas. Voilà, puis on avance, hein, on apprend, on a toujours de quoi apprendre. J'ai des bouquins partout. Entre ce que le mental, il se dit que je suis une partie divine et que je peux prier pour moi et les autres avec ma partie divine. Et ce qu'il y avait qui bloquait, et peut-être aussi une partie de moi qui n'en voulait pas, c'est pas facile des fois d'avancer. Ben oui. On croit se libérer de nos croyances, mais on fait pas toujours assez suffisamment. Ah, il y a beaucoup de croyances aussi, et il y a beaucoup de circonstances, bien sûr. Voilà, autrement, ça a du sens. Nous font découvrir un monde auquel on n'avait pas accès. Moi qui m'intéressais aux ovnis depuis l'adolescence, je me rends compte que tout ça, ça existe et que bon, moi, il n'y a j'ai aucun doute, mais il y en a beaucoup encore qui en ont. Eh oui, bien sûr. Ça a bon, du sens. Ça a réussi parce que vous avez travaillé, c'est tellement complet. Vous avez même travaillé sur des trucs, je dis c'est pas possible, ils sont la valentonine. C'est le truc du professeur Courtillon. Oui, c'est ça, valentonine. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai trouvé que vous avez travaillé au niveau santé sur des choses que je connaissais, mais parce que c'est mon boulot. Mais c'est très complet. J'ai voulu que le protocole soit complet et encore, il peut encore s'améliorer et il s'améliore hein, souvent. Voilà. En tout cas, je trouve votre travail génial. Je vous le dirai un jour, peut-être pour vous dire que tout va bien. Bon, déjà, ça allait pas mal, mais je ne me rendais même pas compte de tout ça. Bien. Mais parce qu'au niveau psycho, je travaille sur le positivisme. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Ou on pète un câble ou on change sa vision des choses. C'est clair, bien sûr. Voilà, donc ça a du sens. Merci à tous les deux. Tout ce qui a été vu pour toi, ça a du sens. Pour toi, ça donne du sens à ce que tu as vécu. Ah, complètement. Voilà, c'est important. Voilà, oui. Donc tu connais mon conseil hein, de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a énormément d'informations. Oui. Et donc au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Hein. Ce n'est pas en une seule fois que tu peux tout. Hein. Voilà. Et dans ces moments de métabolisation où ça peut être inconfortable, n'hésite pas à refaire ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant sûr qu'au début, les entités ne sont plus là, que tu partes dans cette sécurité intérieure, évidemment. Hein. D'accord. Voilà. Donc, écoute, j'espère que tu donneras des nouvelles par mail, me dire comment ça se passe. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous les deux. En tout cas, juste une question. Laetitia, tu es née comme ça ou ça s'apprend? Non. Moi, c'est une question. J'ai pas appris, non. Ouais. C'est en toi. C'est des qualités qu'elle a rendues au monde, bien sûr. Oui. Voilà, comme nous, on a des qualités sur d'autres domaines, tu vois. Chacun. Oui, moi, je ne sais rien. Les gens qui canalisent, pour moi, je ne canalise rien. Il n'y a rien qui vient. C'est parce que tu as autre chose à faire. Tu as tes talents sont autres, dans d'autres domaines, tout simplement. Voilà, chacun a son propre talent. Hein. Voilà, donc, on fait quoi de ta séance alors? On peut la publier? Oui, telle qu'elle. En clair? Soyons fous. Magnifique. Bon, merci à toi, merci à Laetitia, et on va souhaiter une bonne métabolisation. Hein? Merci beaucoup. Au revoir, belle soirée. À bientôt pour tes nouvelles.